Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Annie Christelle, maman entrepreneur. Sur cette chaîne, nous parlons de couches, nous parlons d'entrepreneuriat et nous parlons de grâce divine. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à ma chaîne. Va suivre ma nouvelle page Facebook, mes pages Instagram que je vais te mettre en biographie tout en bas. Aujourd'hui, je vais te parler d'un thème, pour moi qui est très important et qui touche beaucoup les entrepreneurs, les salariés, enfin qui touche beaucoup l'être humain. Je veux juste te dire, le sais-tu, que la honte est le frère jumeau de la peur. La honte est le frère jumeau de la peur. On y va. Quand on a honte, on n'arrive pas à se mettre devant les gens. On n'arrive pas à marcher la tête haute. On n'arrive pas à faire certaines choses, on n'arrive pas à se dépasser. Et généralement, la honte vient des frustrations qui a fait installer une peur en nous. Parfois, nous avons peur de l'échec. Et comme nous avons peur de l'échec, nous avons honte d'aller chercher bien au-delà de ce que nous avons. Parfois, nous avons honte de nous habiller d'une certaine façon. Nous avons honte de nous mettre devant une caméra et de parler. Parce que nous avons honte de faire des erreurs. Nous avons honte d'échouer. Nous avons honte d'être critiqués. Nous avons honte. Et oui, c'est dû à des frustrations parce qu'on ne s'accepte pas déjà soi-même tel qu'on est. On ne s'accepte pas et en plus, on ne veut pas se dépasser. Et la peur est bien plus grave. La peur te paralyse. En même temps que la honte te paralyse, c'est de la même façon que la peur te paralyse. La peur, quand quelqu'un a peur, il n'atteint pas ses objectifs. Quand quelqu'un a peur, il ne va pas au-delà de ses limites. Quand quelqu'un a peur, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Et généralement, nos ennemis, l'environnement dans lequel nous vivons, utilisent la peur pour nous dévorer de l'intérieur. Utilisent la peur, par exemple, tu as un secret. Tu as un lourd secret que tu partages à un de tes amis, que tu partages à ta famille, que tu partages à quelqu'un. C'est même quoi un secret, en fait? C'est quoi un secret? Peut-être tu as quelque chose en toi que tu ne veux pas que les autres t'apprennent. Chacun de nous a quelque chose en elle qui ne veut pas divulguer. Tu as ton jardin secret. Mais tu partages ce jardin secret avec quelqu'un et du jour au lendemain, la personne te met à nu. La personne te met à nu devant tout le monde. Ce qui crée en toi la frustration. Ce qui crée en toi même la honte de te dévoiler en public. Peut-être que toi-même, tu ne t'acceptes pas. Peut-être que toi-même, tu n'acceptes. Et maintenant, quelles sont les solutions? Les solutions pour ne plus avoir honte. Si ça veut dire que ne plus avoir honte, les solutions de ne plus avoir peur, la seule solution, c'est de passer à l'action. De ne plus avoir peur, la seule solution, c'est de passer à l'action. Mon ami, la seule solution de t'élever, d'affronter ta peur et traverser ce gouffre, sauter vers ce puits sans fond et vraiment te dépasser. C'est la seule solution pour affronter tes peurs. C'est la seule solution pour montrer que tu es inébranlable. Et c'est la seule solution pour fermer la bouche de tes détracteurs. C'est de passer à l'action, de s'avouer ses limites à soi-même, de reconnaître qu'on a peur et de travailler sur soi. Quand il y a besoin, il ne faut pas avoir honte de se faire accompagner, savoir demander de l'aide aux bonnes personnes. On peut aller voir des psychologues, on peut aller voir des médecins, on peut aller voir des coachs, on peut aller voir peur des gens qui vont nous regarder avec bienveillance sans nous juger. Voilà mes amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Alors dépasse tes peurs. Accomplis-toi pleinement, choisis la voie pour laquelle tu as été appelé, cours vers ta mission divine, affronte tes limites, affronte tes peurs, fais face à tes peurs, fais face à tes frustrations, n'aie plus honte de personne parce que nul n'est parfait. Et si toi aussi tu as besoin de ce magnifique collier vient de la maison Christif. Tu peux passer sur Facebook, tu tapes Maison Christif, tu peux commander directement. Leur site internet est en construction. C'est fait par des Africains pour le monde entier de façon artisanale. Donc, c'est un collier en argent massif 925, fait main par des artisans camerounais qui travaillent avec passion et beaucoup d'amour, qui eux aussi ont décidé de se mettre en action pour faire évoluer leur maman Afrique. Soyez tous bénis. Merci de l'écoute et on se retrouve très prochainement. Bisous.